Noël, ça y est, nous y sommes. Coup d'envoi de la première soirée du marché Noël. Voyez, moi je me suis tellement fondu dans mon personnage de lutin, j'ai déjà chourave la place du Père Noël, mais je vais quand même lui rendre et on va aller se faufiler à travers les allées pour interroger les nombreux passants qui sont de sortie ce soir. Let's go! Qu'est-ce qui se passe ici? T'as découvert des trucs sympas? C'est super sympa comparé à l'année dernière, une nette amélioration. Ouais, qu'est-ce qu'il y a de mieux que l'an dernier alors? L'éclairage, les gens, beaucoup plus de monde, non? Les gens sont mieux que l'an dernier. Voilà, c'est ça. Et le vin chaud aussi, mais il n'y en a plus, donc voilà. C'est toi qui as tout fini, j'imagine? Non, bien sûr que non. Vous êtes là depuis quelle heure? Depuis 5 vins chauds. Et alors, il est bon le vin chaud? Il est excellent, un petit parfum de cannelle. C'est une sorte de prélude à la féerie de Noël. Et à la poésie aussi, j'ai l'impression. Est-ce que vous avez découvert des trucs sympas déjà là? Ben, on vient d'arriver, c'est vrai qu'il y a pas mal de monde déjà, j'étais surpris. Donc après, je sais pas trop, on voulait peut-être voir un peu pour un petit vin chaud. Je sais pas s'il y a un bon stand à me conseiller ou pas. Le vin chaud c'est là, mais apparemment la file d'attente est relativement longue. Ah donc bon, peut-être qu'on repassera un autre jour. Ouais. Mais sinon, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de but, c'est histoire de se balader un peu pour la féerie de Noël, tranquillement. Et comment vous trouvez cet endroit? Bah, y a pas mal de monde hein, par rapport à l'année dernière, bonne ambiance. Avec le petit bar au milieu et tout, là, ça a l'air très sympa. Et comment se prépare Noël, les achats, tout ça Oh, Noël, c'est mon anniversaire, donc au niveau... Le 25 décembre? Oui. On a Jésus parmi nous. Et je fais 33 ans cette année, l'âge de Jésus. Et c'est l'âge de sa mort, non? Oui. C'est de mauvaise augure tout ça, non? Solitude. Bah écoute, bon anniv en avance, Jésus de Nazareth. Merci, ça porte malheur, mais merci d'avance. Allez, petit lutin. À la tienne. Gagne ta route. Quelques mots sur cette première soirée là. Bah, je pense que tout le monde est content, il y a du monde. Les gens mangent, boivent, la musique est sympa. Les chambériens sont au rendez-vous, donc je pense que c'est pas mal. Est-ce que vous avez déjà découvert des petites choses sympas à offrir à la famille, que sais-je? Traditionnellement, je viens effectivement faire quelques achats, je vais continuer, mais tous les jours, un petit verre de vin chaud, un duo, ça aide aussi à passer un bon moment. Ouais, ça va, mais la queue est un peu longue pour avoir du vin chaud. Ah, t'as pas encore pu commander? Non, ben, on a du vin froid du coup. Alors, est-ce que vous avez déjà commencé les achats pour le petit là? Pas encore, déjà c'est la petite. La petite, pardon. Et non, pas encore. Ok. Qu'est-ce que vous avez pris de beau là? Je vois qu'il y a des petits mets sur la table. Ouais, bah on profite tranquillement là. Ouais. C'est qu'est-ce que vous avez commandé là? Un petit blanc et un petit rouge avec une petite blanche de fromage. Il y en a pour tous les goûts. Ah ouais, et alors, tu feras gaffe, il a monté tout ici. Là. Tout de ça, quoi? C'est lui qui l'a monté ici. Bon, du coup, vous avez des petites ristournes sur les boissons pour avoir monté la tente? Non, on a le droit d'être là. Putain, pourtant, ça doit représenter du boulot tout ça là. Ouais, c'est 15 jours, hein, c'est tout. Ah ouais? Bah, et même pas un petit 10% sur le blanc chaud. Rien du tout. Oh, c'est plus que c'était le marché de Noël. Hein. Alors, les idées de cadeaux pour cette année? Zéro cadeau, ouais. Zéro tracas? Zéro, exactement, zéro cadeau, ouais. Le cadeau, c'est la présence au repas de famille. Ouais. La convivialité et tout, voilà. Et est-ce que t'as déjà commencé à faire tes achats de Noël pour la famille et tout ça? Eh ben, pas encore. On en parlait là tout à l'heure. On a dit on est complètement en retard. Ouais, ça va. On n'est pas encore trop en retard. Mais bon, voilà, je pense qu'on va faire ça 2-3 jours avant. Ouais. On verra, j'ai croisé les doigts pour le trouver assez de cadeaux quand même. Mais... Ouais. Des petites idées déjà? Alors là, bonne question, des idées? Et ben voilà, j'ai même pas réfléchi aux idées. Non, mais... Qu'est-ce que tu as acheté de beau? Je vais pas le dire parce que si la personne regarde, elle va savoir. Ah, c'est qui la personne? Le concubin Oui, voilà. Ah, comment il s'appelle le concubin? Il s'appelle Matisse. Matisse, c'est pour toi. Hein. Bon, et comment ça se prépare Noël? Pour l'instant, ça se prépare pas trop, moi. C'est plus la fête que les cadeaux, tout ça. Le 31 se prépare, lui? Plus le 31 que Noël. Alors, ça va faire quoi pour le 31? Ça va aller un peu de ski, puis un peu de fête, quoi, avec les amis. Ok. Les potos qu'on salue, s'ils nous regardent, s'ils regardent Savoie News. On salue les potos, évidemment, voilà. C'est comment ton prénom? C'est Charles. Charles, et ben voilà, si les potos de Charles regardent, le bonjour à eux.